très très content et ravi de vous avoir avec moi. Merci d'être là, ça me fait grave plaisir, on passe du bon temps. Un petit samedi tranquillou, il fait beau, je bronze en même temps, allez peace. Mankind knew that they cannot. Duel one. Let's fucking rock, man. It's so easy, easy. Petite référence, ceux qui savent. Ceux qui savent, vous êtes des vrais. Ouais, FT5, exactement. FT5, hein, je le rappelle, effectivement, nous sommes au Call of Fighting 7. Vous êtes dans la winner finale. Nous sommes en FT5 et c'est parti, mon geeku. Oh là là, oh là 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 là, ça tue, mon gars. Mais oui, fou. Ah, attends, est-ce que ça tue? Si, ça tue, ça tue. Ça tue, ça tue totalement. Bien joué, ça. Bien joué. Viris qui commence fort, hein. Il commence fort avec son petit Nagoryuki des familles. Ça fait plaisir, le petit backdash. Aïe aïe aïe, ça aurait pu lui servir, mais il a pas fait le bon coup après. On va directement burst. Le burst perfect qui lui permet d'avoir du coup ses deux barres de tension pleines. Le canicule vibe pas, attention. Le RC jaune, bah oui, on a du RC, hein, un peu. Aïe aïe aïe, attention. Ah, on rate la chauffée, aïe aïe aïe. Eh, t'as été timide là, Viris, hein. T'aurais pu tellement punir salement là. Ah ouais, du counter full power. Oh, bien joué ça. Oh, très très bien joué. Parfait ça. Attention. Voilà, il a la prio mais pas trop. Attention. Le petit backdash, hein, qui est très efficace là. Très très bien joué. C'est maîtrisé du côté de White Black. Attention. On est à une ouverture de la victoire pour Monsieur Viris. White Black, hein, je le rappelle, hein, depuis tout à l'heure, qui n'arrête pas. Coup de boule. On n'a pas la barre de tension malheureusement. Oh là là, attention, le burst. Oh non non, oh le pire moment. Oh le pire moment. Oh le pire moment. Il était tellement bien parti pour gagner. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Bien bien joué. Et Viris qui a su se débarrasser de son adversaire. Très très bien joué. Bien parti pour lui, mais attention, hein, encore une fois, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, White Black, le roi de l'adaptation, qui n'arrête pas de s'adapter. Il n'arrête pas de s'adapter, et à chaque fois, il était mené 1-0, il a remontada totalement. Donc, Je suis en train de faire un petit tweet en même temps, les gars. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais c'est tellement beau parce que là je regarde et je coupe par le tweet en même temps. N'hésitez pas à retweeter, hein, d'ailleurs, hein, ceux qui savent, vous savez les bails. Très très bien joué, on est déjà sur comment dire. On est déjà à 2-0 là, hein. On est sur du FT5 certes. Ah ouais. Oh là là. Oh.
Oh! Mais pas chez Nagoruki, c'est pas possible. Zut. C'est craqué et buffé seul, s'il vous plaît, merci. Comment ça, buffé? Allô? Patch chez sol déjà, merci. Je vais mettre à jour le score, hein, vous inquiétez pas, je suis là. Je suis en train de préparer un petit tweet, n'hésitez pas à retweeter pour ceux qui savent. Let's go! Oh là 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 là, la patate. Allez, c'est maintenant là, c'est maintenant qu'on reprend l'avantage. Faut pas que l'adversaire prenne trop d'avance. La patate. Heureusement que Nagoruyuki a beaucoup de PV, hein. Parce que là, c'était la mort assurée pour un autre perso. Allez, on mange un petit peu de PV. Vous savez qu'il y a pas très longtemps que j'ai découvert qu'en faisant la chop-spray, Nagoruyuki mangeait les PV de l'adversaire. J'avais même pas vu. Ça fait quoi? Ça fait une semaine que j'ai vu ça. Oh! Oh là là, le RC! Mais c'est magnifiquement effectué, ça, bordel! What the fuck, vous avez vu? Il a RC juste avant de péter sa rage et ça lui a permis du coup de repousser la merde. Mais what the fuck, j'avais jamais vu ça, trop stylé! Trop stylé, il troll. Ah ouais, je suppose qu'il troll. Je suppose qu'il troll, mais je rentre dans son jeu parce que même troller ça, c'est interdit, mon ami. On troll pas ça. Soit il fait trop peur. Allez, let's go. Patate. Volcanic Bypass. On pète pas le mur, malheureusement. Et le mauvais burst. Cette fois-ci, White Black qui fait le bon choix et qui l'emporte. Nous sommes à 2-1, je le rappelle, nous sommes sur FT5. On est en finale winner du Can't Stop Fighting 7. Dual One. White Black fait des chimies dans Strive, normal. Blague à part, il est solide. Ah bah oui, il est solide. Ah bah ouais hein. Ah, moi je kiffe ce level là, que j'ai à mon tournoi. Premier tournoi Guilty Gear, voilà, enfin mon deuxième avec Sommet, bon parce que Sommet en. Le premier c'était avec Sommet. Mais le premier en tant que magie, enfin vous voyez compris. Patate Materazzi, coup de bois, mais. Les petits staggers, attention, et la chope. Cette fois-ci, c'est suffisant. Bah les chimies c'est la base surtout encore là, bah ouais. Bah ouais, alors putain mais. Et ce coup de Nagoruyuki m'impressionnera toujours. Très bien joué ça, le dust. On va forcer du coup White Black à utiliser son burst. Gunflame, attention, on veut retrouver. Malheureusement c'est pas follow up là. Plutôt non, il était peut-être un peu loin. Attention. Oh là là, le petit backdash avec le coup. Reste dans le coin, on t'a dit. Bien joué la Faultless pour essayer de. Aïe aïe aïe, c'était bien tenté ça. White Black a essayé la Faultless pour repousser un peu l'adversaire. Mais ça n'a pas suffi. Hein. C'est pas évident de repousser sur là en vrai. Ni Nago en vrai. Hein. En fait, aucun des deux. Hein. Repousser Nago, c'est pas évident. Repousser seul, c'est pas évident. On n'est pas dans Fighters avec les LLL. Hein. Autocorrect. Mais. Ouais. Waouh. C'est Goku GT mon gars. Ah ça s'est joué à rien, le pixel, est-ce que ça va sauver White? Est-ce qu'il va sauver? Ça part sur du 3-1 quand même. Monsieur Verix a 2 victoires de l'emporter. Nice. Comment veux-tu qu'il sauve? Je sais pas. En faisant de la magie. De la magie noire. Vu qu'il gratte la barre sur la garde. Ah ouais, il avait pas. J'ai pas fait attention s'il avait de la faultless ou autre. Pas fait attention. Je sais pas, je suis un gros noob quand il s'agit de le Guilty Gear, c'est vrai. Oniro. Faudra qu'on rejoue un de ces 4. Hein. C'est pas possible. Même. Comment ça, c'est pas possible? J'ai pas compris, Gatsu. Il aurait pu faire sa faultless. Sa faultless pour justement pas prendre de AES à la fin. Ah non, il a pas pu. Il a pas pu rentabiliser. Oh lolo. Attention, le pixel magique en cours. Pourquoi c'est pas possible, Gatsu? Tu me trolls encore? J'ai pas vu s'il a de la faultless pour ça. Bon, allez, c'est reparti en tout cas.
On a déjà une manche là pour White Black. C'est maintenant ou jamais dans tous les cas. Il faut pas laisser l'adversaire prendre trop d'avance. Hein. Ouais, mais justement, regarde sous ça, il n'y a pas de chip damage si on met la footless, mec. Eh, si je. Y a pas de chip damage quand on met la footless, on est d'accord? Non? Bah ouais, y'a pas de chip damage. Bah ouais, mais. Ah, tu vois, Gatsu, tu dis des bêtises. Eh, Gatsu va là-bas. Il m'a fait douter, frère. Il m'a fait douter. Alors que je le sais, putain. Méchant. Bah si, c'est des bêtises. Le mec me fait douter, fou. C'est comment? J'ai oublié, lol. Tu es là. Eh. Tu mérites un petit ban. Un petit ban d'habitude. Parce que tu viens tous les jours. Ça fait plaisir. Bon, allez. RC jaune, en tout cas, revenons dans le match. Dans le match, il m'a tué. Ouais, bah ouais, bah ouais. Allez. C'est parti. Là, en tout cas, les deux joueurs sont prudents. White Black sait très bien que là, c'est compliqué. Il faut y aller là. Ah, Nagoryuki, Monsieur Verix, qui n'hésite pas à péter tout ce qu'il faut. Attention, hein, à la barre de sang qui est pas loin. Ça peut te jouer des tours. Ah là là, ça sera même pas nécessaire. Hein. Voilà. White Black qui 3-2. Ah ouais, Sol vous envoie, il envoie des blagues. Hein. Le mec, il a sa trash talk quand même. Hein. Le mec, il a dit que t'es un Gigi. Ouais. Comme t'es un vampire, toi, en gros, t'es un papy, quoi. Hein. T'es un ancien. Le Golden Burst, ouais, il est stylé, le Golden Burst. Hein. C'était vraiment très, très, très bien joué. Je trouve qu'il est pas très dur à faire, ce Golden Burst. Hein, en vrai. Si tu regardes bien ce que l'adversaire fait, brah. Patate, let's go. Allez, pour rentabiliser, Nagoryuki, c'est un tank. Donc, on voit la max. Regardez les dégâts quand même qu'il prend, frère. Regardez la barre alors que c'est un fucking tank, mec. Dude. Attention. Ah, oh, ben non. Eh ouais, la frame 2 frame, mon gars. La chop 2 frame, pardon. Vortex, très bien joué. Ah, le mauvais dragon. Attention. Hein. Ça, c'est bien joué. Ah, bien joué aussi à son tour, Monsieur Verix, qui suit hein, ce que son adversaire fait. J'aime beaucoup ce qui se passe, les gars. On voit vraiment que les joueurs sont là. Ils analysent tout. Ils gèrent leur barre de vie et malheureusement la barre de sang pas évidente à gérer pour Nagoryuki, son gros point faible. Le gros point faible de ce personnage. Parce qu'en fait le problème c'est qu'avec la footless, tu vois, il suffit d'avoir un petit peu de tension, t'es tranquille hein, Nagoryuki, il te... Voilà, tu vois. Pas si évident, hein, pas si évident. Le concept est intéressant en tout cas, le concept du personnage est intéressant. Après peut-être que la barre de sang monte un petit peu trop rapidement. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Let's go. Allez. On fait la super. Et on va, bah on va tuer en fait. Hein. On va clairement tuer. La mort. Égalité. Oh là là, bien vu ça. Bien joué ça, attention. On essaye de stagger. Mais Nagoryuki reprend son tour. Reste là toi. Va là-bas. Putain, ah, counter. Yes. Oh, c'était sûr. Eh, je le sentais tellement. Eh, je le sentais de ouf. T'es sûr. Bien joué ça. Oh là là. Oh là là. C'est chaud. L'atterrissage, attention. Ah, il y a Sol qui a voulu. Je sais pas pourquoi il a fait. Il a donné son coup de pied là. Il a voulu peut-être anti-air ou anticiper un dash avant de son adversaire. Malheureusement, c'était pas le bon choix. 4-2. Balle de match pour Monsieur Verix. Je le rappelle, nous sommes en FT5, les gars, pour les finales. Et c'était très très bien joué en tout cas. Hey, let's go. Est-ce que White Black va réussir à s'adapter comme il sait si bien le faire? Ça commence avec des petits staggers de part et d'autre. Le Gunflame pour essayer de coincer l'adversaire. Le backdash, attention à pas se prendre les lames de Nagoryuki qui a énormément de portée. Allez, ça joue bien en tout cas de part et d'autre. On réfléchit bien. White qui n'hésite pas à taper. Attention, on trouve l'ouverture low.
Ok, on reste là, le bon choix dans les airs. Malheureusement, on n'a pas surveillé la barre de l'adversaire. Mais c'était très bien joué, regardez-moi cette belle phase. White Black qui a suivi et qui a suivi totalement son adversaire. Materazzi, coup de boule. C'était super bien joué ça. Super bien joué les gars. Wow. Ok, les petits staggers, faut pas abuser non plus hein, White Black. On t'a vu. Attention, ça aurait pu partir sur une chop. Le petit backdash, le petit délai. Attention, on revient, c'est parti. On refait le même coup, la faute qui fait recul un petit peu Nagoriyuki, mais pas suffisamment. Le coup de croc. Attention, il faudrait pas se prendre des patch snaps. Et la level 3. Enfin, la super plutôt. On est pas dans Fighter. Et la mort. Très bien joué, très belle phase hein. Directement le Nagoriyuki, on sent qu'il ne veut pas se laisser dominer. Du coup il devient un petit peu plus agressif. Aïe aïe aïe, le counter. Aïe aïe aïe, c'est chaud ça. White Black, le mauvais burst qui aurait pu être un petit peu plus rentabilisé du côté de ce Nagoriyuki. Malheureusement là on est full négatif là on va abuser. Il a fait les bons choix, c'était très bien joué. Attention, ça se joue à rien. Le backdash, attention. Franchement, les joueurs ils utilisent bien leur backdash. Hein. J'oublie en fait hein, cette mécanique. Oh,